profession avec après profession. Le cadre professionnel, pêcheur, bien, laboureur, il le. Ben, petit et entreprise, entrepreneur, c'est un autre encore. Agriculture, nous avons tendance à oublier l'agriculture. Vous n'avez pas oublié l'agriculture, il y en a beaucoup de gens qui pas faire. Nous ne pas exporter. Donc, quand nous prenons tout ce même domaine-là en considération, nous réalisons qu'il y en a beaucoup, beaucoup à faire. Et quand nous partageons, nous visons et non beaucoup plus de justice sociale. Donc, il y a une même catégorie-là qui côté de la souffrance existe. Bandimoun qui, au bas de l'échelle, c'est Bandimoun qui gagne moins en salaire et parfois qui paye un travail, et l'autre côté qui est une famille à nourrir. Mais nous devons prendre ça en considération pour qu'il y ait plus de justice sociale, bien plus de solidarité. Solidarité est moins importante dans le partage. Solidarité, c'est qu'il y ait non, bien accepter certains sacrifices au bénéfice de ceux qui n'ont pas. C'est ça qu'on appelle solidarité. L'écart entre les riches et les pauvres, nous politiques, bien tels, qui nous permettent ça, l'écart-là, réduire autant que faire ce boulot. Encore une fois, moi, je dis ça à l'époque 96-2000, quand je suis ministre des Finances, et d'un coup, moi, je disais ça, dire la nation, ça, qui fait dessiné par Nitalia Palsing depuis l'an 1982 jusqu'à l'an 2006, l'année où elle présentait cela au Parlement. Elle a un joli coup de l'hiver et on trouve l'écart entre riches et pauvres l'année après année. Et ce n'est qu'en 1996 et 2000 que l'écart est réduit le plus que ailleurs. Mais ça veut dire que l'État motivé dirige finance, motivé prend ça en considération. Nous guettons un coup de qui bonne mesure au pépin et qui s'en a pour un vrai bénéficiaire dans la solidarité. Pour qui un grand pas crier je dis. Vous n'êtes pas outillé dans une poste de telle façon qui vous peut faire ce petit mal. Bien qu'on fait ça. Maintenant, comme vous avez certains moyens à votre disposition d'un gouvernement, vous lui amène ça partage-là d'une façon beaucoup plus équitable. D'abord, vous avez le budget de l'État, des adhérents des trois mots. Ça devient l'année après. Chaque année, le ministre des Finances, son rôle, pour les guider, coûte pas de souffrance aidée, et qui est capable de faire mal du monde, rattrape l'État. Mais d'une telle façon, que quand on rattrape l'État, il ne faudrait pas que 10 ans après, nous encore trouvons l'État. Et c'est ça qui m'a constaté. Et c'est ça qui m'a déploré. Parce que, quel que soit le gouvernement qui est en place, même le gouvernement dans lequel nous finissons par venir, nous payons toute responsabilité, nous applaudissons quand nous trouvons prendre bonnes mesures pour rattraper le temps. Mais souvent, il y a même les autres petites choses, événements qui arrivaient, qui les autres rétablissent, les autres freinent, et rétablissent plus difficile pour attendre. Et c'est la cause ça qui, vous me pensez, nous trouve la misère et perd du rétablissement. Et mon fin de dire, d'ailleurs, je ne pas pourquoi il nous laisse comme fin de dire, dans la circonscription qui, comme nous, candidats du droit, la misère, et parce que nous avons tout dit, nous avons dit avec les yeux, tous les jours, nous pouvons faire peau à peau, nous avons dit qu'il entend misère dans sa circonscription. Et à ce dire, capable d'ailleurs dans les circonscriptions du pays, il est beaucoup plus important que ce qui nous fait penser. Parce que nous avons une tendance tout le temps qu'on compare avec Maïbou, le plein maillant, nos circonscriptions. Mais nous avons réalisé qu'il nous faisait un travail beaucoup, beaucoup dur, et beaucoup, beaucoup même, qui savent qu'il y a des souffrances, là, on va faire ça exister. À tel titre qu'ils vont dire, maintenant, numéro 2, nous devons faire une visite pour eux, à la guider un peu dans les circonscriptions. Pas pour le gagner, pas le jaloux, non. Mais pour le guider qui, quand on a un petit monde valable, qui fait le travail comme il faut, mais qu'on le corrige à une erreur. Donc, on a le budget de l'État qui prend en considération tout ça, tout ça, et pour essayer de rattraper, faire du monde rattraper ça, retard-là. Mais les misères rattrapent d'une façon définitive, qui quand on corrige une issue de misère, au moins d'une certaine catégorie, pas catégorie de pêcheur, si on corrige la misère dans sa catégorie-là, il ne faudrait pas que 4 ans après, quand il y a un pêcheur, encore misère. Si on corrige la misère dans la catégorie d'artisan, il ne faudrait pas que dans 5 ans,
autour artisan, il a des problèmes parce qu'il n'a pas fini d'occuper tout ce qui était fait. Il a ce système, ça. Donc, voici un exemple, et dans beaucoup. Bon, maintenant, deuxième façon pour amener un meilleur partage et permettre du monde améliorer les conditions de vie, améliorer la qualité de vie aussi, en même temps, c'est la politique des salaires. Mon pensée, nous avons un échangement pour nous faire dans ce domaine-là. Politique salariale. Bon, nous avons un minimum vital. De tout d'abord, moi, je suis dans le gouvernement quand je fais ça. Hein, moi, je suis déjà dans le gouvernement quand je fais ça. Ça veut dire qu'il y a déjà un dans le programme. Nous pouvons automatiquement maintenir, si tu veux dire, un minimum vital, c'est la moindre chose. Hein. Salaire minimum, quoi. Mais c'est moi pour qu'il y ait un problème là-dedans, en tant qu'ancien ministre des Finances, pour le dire. Pour qu'il y ait un problème là-dedans, il faut prendre sur les temps, ça, après, il y a beaucoup de discussions pour faire, parce que, et il ne faut pas vous prendre une mesure d'une telle façon qui va bloquer l'investissement, qui, comment dire, man, Jimoun qui se faisait créer l'emploi et payer sa salaire là, je suis découragé. Donc, vous êtes comme draw the line, d'empêcher draw the line pour un dépensé qui sa minimum vital, qui est capable de rentrer dans le système, mais niveau que tu peux aider, il n'est pas pour refléter la situation dramatique des bonnes familles mauriciennes au plus bas de l'échelle. Donc, le budget dans le pays est le minimum vital, mais seulement, quel est le niveau de ce minimum vital, ou pas plutôt vous dire régler le problème, c'est-à-dire qu'il partait soulage, ben, mais peut-être avec le temps, soulagement, là, pour finir. Donc, à cause de ça, la cause ça qui lutte d'accord avec le minimum vital. Mais, il y a aussi, en ce qui concerne la politique des salaires, nous avons un système de compensation salariale, nous, qui est basé sur l'inflation. C'est vrai? Chaque année, nous sommes supposés faire. Cette année-là, il nous fait d'une façon maquillée. Un technicien ou technicien, c'est-à-dire le secrétaire financier, il est assis avec un syndicat, il dit, vous trouvez qu'il va une mauvaise chose, qu'il va un technicien assis avec le syndicat. Mais seulement, souvent, manière de nous faire lire, dans sa tripartite, nous créons un paquet de l'espoir autour, qui, résultat qui sortit dans cette négociation-là, n'est pas vraiment reflète ce qui est besoin. Donc, moi, nous pensons, mais dans beaucoup les autres discussions pour faire le principe général.